Bonjour à tous, donc nous revoilà donc, sur les lieux, comme je l'avais promis, donc on a déjà commencé à explorer, comme vous avez vu la dernière fois sur la dernière vidéo, on a fait que cette partie. Et donc du coup, cette fois, on est monté, parce qu'on avait plus de temps, au niveau des étages. Alors les étages, c'était les dortoirs. Alors vous inquiétez pas pour le bruit, il y a du vent dehors. Il y a énormément de courant d'air, donc ça génère des bruits de portes, de claquements. Rien de paranormal, c'est juste le vent qui fait claquer toutes ces portes. Donc s'il y a du vent ce soir, je pense que ça va donner. Alors, on ne vous a pas fait de film tout simplement sur les étages, vous verrez ça ce soir en vidéo. J'essaierai de vous faire 2-3 vidéos, je pense que ça va le faire, pour vous faire voir les lieux directement avec vous. Parce que du coup, les vidéos durent que demi-heure et donc c'est assez compliqué de tout filmer avec un téléphone. Donc, au niveau des ressentis, rien de particulier, beaucoup de dégradation, beaucoup de. On voit bien que le mur s'effrite, la peinture se décolle, due à la vieillerie du bâtiment, plus quelques dégradations, des vitres cassées, etc. Donc là, on va s'attaquer à la partie avec vous, partie sous-sol. On va aller faire par ici, normalement. Je pense, je ne connais pas les lieux. Suivez-moi. Bonsoir. On entend des coups hors caméra depuis quelques minutes. Alors nous permettons de venir chez vous afin de faire une ultime enquête. On va taper un coup, s'il vous plaît, pour voir si on est bienvenu ici. Oh. Non mais, et Tony, ce lieu, franchement... On va y aller, hein. On va y aller, hein. On va y aller, de toute façon. Hein. Par contre, les gars, on va retenir les portes, ça serait bien. On va se mettre à trouver. Je vais mettre en point. Tu vois bien sur la vidéo? Ouais. Tiens. Ah ouais. Perdu pour cause de... d'hygiène. Oh bah. Oui, donc ça, le sous-sol avait déjà été fermé. Oh, ça, une affiche aussi. Oh. Oh. Quoi? Ah. Oula! Putain, mais je te jure. Tu me diras, on va aller fondre des chiens. Attends, mais ça en finit plus? Putain, il y a une croix au-dessus. T'as filmé là? Bon, on va continuer. Regardez ce couloir, je vous jure. Moi, je vous le dis que cet endroit, je ferai un débrief tout à l'heure. Peut-être que tu vas un débrief de ce couloir. Allez-y. On pourrait vraiment dans la... Voilà, chapelle. Chapelle. Voilà. Oh putain. Mais je vois pas. Putain, c'est pas possible. Non, j'ai peur. Putain. Quoi? C'est un truc de Dieu. Alors? Quoi? C'est un truc de Dieu. Mais ça va utiliser ton truc. Vas-y, fais tes signes de croix là. D'accord. Mais laisse ouvert, tiens. Attendez, je vais marcher. Chapelle. Voilà, donc on se retrouve du coup dans la chapelle. Bon, vous voyez, ils ont entreposé donc des meubles, des tables de classe, tout ça, des armoires qui se trouvaient dans les chambres. Mais à l'origine, c'était une chapelle. Il faut savoir que c'était un ancien centre religieux. Voilà, donc c'est pour ça que dans ce bâtiment, il y a une chapelle qui est restée conservée. Alors par contre, moi j'ai une question. Attends, filme-moi un tour, si tu peux. Voilà. Tony, ouais. Tu veux venir voir, s'il te plaît? Je vais faire un petit débrief, vite fait. C'est des coupes de foot, là. Ouais. Je sais pas si on va descendre ce soir, à votre avis. Non. C'est un truc religieux. Et alors? Justement.
Quelle potentielle quantité ça fait dans les trucs religieux? Oui, il y a des gens, hein, tu sais, ils font les. Il y en a, ils font des. Oui, c'est vrai, en fait. Des enquêtes dans des chapelles, dans des trucs. J'ai ça, les gens ils nous demandent ça. Oui, d'ailleurs. Bon, pour l'instant, moi mes ressentis. Pour l'instant, c'est calme. Je me sens pas franchement oppressé. Vous, je ne sais pas. Vous vous sentez non, comment? Ça va là? Ouais. Cette fois, ça va. En fait. On a l'impression qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec tes ressentis, quand le bâtiment sombre dans l'obscurité, en fait, tu as des ressentis différents. Mmh. C'est peut-être ce qui va se passer. Bon, voilà, bah, écoutez, je vais passer devant et puis, bah, suis-moi. Par contre, fermez la porte. On va faire notre passage. Hein. C'est bon? Ouais. Bon, voilà, on était à bout. Donc. C'est déjà pas mal, hein. Combien de longueurs de couloir? 800 mètres, au moins. Nom de Dieu! C'est vous qui venez de faire ça? Est-ce qu'on pourrait rouvrir la porte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on vous dérange? Tu l'as entendu où? En haut, quand même. Trop, trop, trop. Ça fait un truc, c'est un genre de coup par trois coups, c'est le pied. Bon, je sais pas, on va continuer. Ouais, vas-y, je te prends pas quelque chose. Bon, là, on a vu. Donc, voilà, donc je continue en même temps faire un débrief. Donc, du coup, voilà, on est quand même. C'est. Enfin, ce sous-sol est quand même un peu glauque, hein. C'est un peu glauque, c'est sombre. Mmh. Quoi? Avec les têtes, t'as l'impression qu'il y a quelque chose. Ouais, mais oui, mais c'est le reflet de la lumière. Ouais. De toute façon, il faut rester cartésien. Hein. Ça, tu m'as bien en vision, Tony. Ouais, c'est pas facile. Mais... Alors, par contre, les gars, si on doit descendre cette nuit, cette porte, il va pas falloir la lâcher. Mais bien fait. Il y a pas quelque chose pour la cabine? Putain, il y a de ces bruits, je vous jure. Non, non, on ne se tiendra pas. Tu vas venir? Bon, allez. Bon, alors, écoutez, on va remonter en sous dans le hall, je vais faire des liens comme ça. De toute façon, tu marches. J'ai bien des liens sur le côté. Alors, pour moi, je sors de là. Passez sur le côté. Par rapport au château, je trouve quand même que c'est. Le château au côté, hein, c'est bien aussi, hein. Mais là, je crois qu'on a battu le record. Niveau taille du bâtiment, c'est juste énorme. Ça, ça me prend la tête aussi. Bon, vas-y, finis le couloir, parce que je parle en même temps, moi non. Comme ça, ouais, ben voilà. Alors ça, ça fume plus. Donc voilà, donc là, on va éteindre les bilans, comme on dit à la tête. C'est en son nom. Voilà, donc là, nous avons fait donc, tout ce qui est parti sous-sol. Pas tout. Attendez. Non, non, finis dans l'autre sens, Anthony. Ah, putain, non, finis dans l'autre sens. Quel sens? Comme ça? C'est ça mon choix. Ah oui? Non, parce que sinon, si je veux voir sur une télé ou quoi, ça va mal donner. Ouais. T'aurais pas dû le tourner dans mon sens. Ah ouais, ça va se prendre un peu. Non, je pense que ça va pas trop faire grand chose, je vais pas la recommencer. Combien de minutes sur la vidéo? 15. Il y a un escalier. Un escalier? Ouais. Aïe! Putain, ici, il faut en faire gaffe. Regardez. Fais me rayer la jambe. Putain, mais c'est calme. Ouais, la pompe à vélo. Ouais, mais.
Mais c'est vraiment où celui-là? Je sais pas. Oh putain, je n'en ai plus peur. Bon, écoutez, on va monter par là. Bon, vas-y, passe devant si tu veux. Non, bah oui, finalement, oui. Non, parce que sinon, là, j'espère que ça va pas me défaire des poignets là. La vidéo, parce que sinon, ça va me faire chier, quoi. Je vais mettre en ligne. Ça va faire des parties avec des côtés sur le côté comme dans les interrupteurs, ça fait chier. Ça donne où ça? Au niveau de la caméra. Alors voilà. Ouais, attention, d'accord. C'est le store. Je crois que c'est un bruit de clé. On va retourner dans le milieu du bâtiment. Au pire. On va aller où il y a de la lumière. Bon, j'espère qu'il va se mettre en nocturne ce soir, c'est bizarre. Là. Bon, donc voilà, donc là, je souffle un peu, je vais les escaliers et tout. Écoutez-moi, ce que je vous propose, c'est que vous donniez tous vos impressions. Je vais commencer par moi. Alors, moi, ce que je ressens ici, alors, mis à part ces bruits avec le vent, qui par rapport à la colonie, je les multiplie par... 40 au moins. Donc pour cet exploit de jour, ben, je suis content. Ça m'a permis de découvrir un petit peu les étages, ce qui s'est passé, quelle ambiance on pourrait y trouver. Alors comme vous avez vu, le bâtiment est super grand. Vous n'avez pas vu l'étage en vidéo, j'en suis désolé, mais ça fait des vidéos trop longues. Personnellement, dans mes ressentis, je me sens plutôt bien, bon c'est peut-être le fait d'être à plusieurs. Après, il va falloir voir vraiment sur la nuit ce que ça donne. Parce que là, je peux vous jurer que la dernière fois quand on est venu, il a fait nuit très vite. Et du coup, oui, enfin, moi j'ai l'impression que le bâtiment, même s'il n'y avait pas de vent, quand il est dans l'obscurité, il change d'ambiance. Moi, j'avais ce ressenti. On entend plus de coups, plus de choses, plus de... C'est pour ça qu'il va falloir vraiment percer dans le milieu paranormal si ce bâtiment reste des secrets du passé dans ses murs et voir s'il resterait des entités résiduelles, soit des résidents qui étaient avant, ou des sœurs, puisque avant c'était un, sûrement pas un couvent, mais un endroit pour les bonnes sœurs. Donc, puisqu'on, comme vous l'avez vu, j'espère que vous avez vu assez bien, c'est au niveau de la chapelle en bas. Voilà, alors c'est vrai que le bas est super glauque. Alors moi, les gars, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai trouvé super glauque. Avec ses parcs posés et tout, c'est glauque, c'est super glauque. Enfin, je veux dire, on ne montre pas le machin dans le monde. Après, je suis à l'aise, j'ai pas de frisson, je me sens bien. Non, pas pour le moment. Je ressens pas grand chose de ce côté-là, ça fait qu'on sent beaucoup de profondeur. Putain, les gars, voilà, donc j'espère que déjà. J'espère que vous, l'expo de jour, vous aura plu. Toi qui n'étais pas venu la dernière fois aussi. Donc t'as vu vraiment l'ampleur du bâtiment, mais c'est vraiment petit, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Voilà, donc je pense que l'expo du jour va être terminée. On va, si vous voulez, il reste combien de minutes en tout? Il est 19, ça fait 19 minutes la vidéo. 32 minutes, ça va faire. Si vous voulez, on va quand même essayer, pendant les minutes qui restent de la vidéo, on va essayer quand même de faire des sommations, maintenant qu'on est sûr qu'il n'y ait aucune présence humaine dans les lieux. Alors, petite chose aussi, avant de commencer,
Nous avons repéré les petits pavillons, quatre petits pavillons à l'extérieur du bâtiment, qui sont aussi abandonnés. Mais on ne pourra pas vous les faire voir aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, le bâtiment, déjà, on a une heure pour le faire. Il est très grand, 10 fois plus grand que la colonie. Donc du coup, on vous refera une vidéo de journée pour vous faire voir ces petits bâtiments à l'extérieur. Voilà, je compte le faire. Quand, je ne sais pas. On va voir suivant sur le temps. Donc, on va se taire, on va essayer de faire des silences. Excusez-moi, Anthony. Tony, excuse-moi. Tes ressentis à toi? Toujours ça. Tu te sens à l'aise? On parlait la dernière fois, on verra ce fonctionnement, ton prix, ici. Ouais. Très bien. À part les bruits, c'est des éléments. Oui, il y a des gens, mais sinon au niveau des ressentis des lieux, je veux dire, sous-sol, étage. C'est la nuit, quoi. C'est la nuit. Vas-y, moi au niveau bordel, il y a pire. On peut marcher. Faut juste aller sur la fenêtre. Et toi? C'est pareil. Pareil, ouais. Pareil. Non, c'est là. Bon, bah, très bien. Bah, à voir la nuit. Donc, on va vous faire une nuit ce soir. À tout à l'heure, on va aller manger, en fait. Et on reviendra plus tard. Avant que la nuit tombe, si possible. Voilà, et on espérera d'explorer tout le bâtiment et d'enquêter au niveau paranormal s'il se passe quelque chose, tout en étant discret. Donc là, ce que je vous propose, on va essayer de faire. Je vais m'asseoir sur cet escalier. Bon, c'est debout, les gars. Je vais m'asseoir là, je vais essayer de faire des sommations. Il y a quelqu'un avec nous dans cette ancienne ESAT? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'il resterait des résidents dans les lieux ou des employés qui ont travaillé ici? Ou est-ce qu'il resterait des sœurs? Comme apparemment c'était un bâtiment qui servait, qui était très religieux. Si c'est vous, tapez une fois s'il vous plaît pour nous montrer votre présence. Faites-le nous savoir par vos propres moyens, soit en prenant l'énergie sonore, soit en faisant un bruit. Soit on va nous toucher. Si vous n'êtes pas présent maintenant, sachez que ce soir on va revenir. On se présentera, on tapera la porte comme on a l'habitude de faire. Si vous êtes présent, pouvez-vous nous faire deux bruits sustains, s'il vous plaît? Tous les bruits que vous pouvez entendre dans le micro, que j'ai peur que vous entendez, c'est tout simplement le vent qui vous bouge les portes. On ne va pas commencer à faire du fake, c'est mort. Je tiens à le dire. C'est juste le vent. Malgré qu'il soit calmé, parce qu'on est arrivé, ça souffle pas mal. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans ce lieu? Pas envie de vous manifester, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas assez d'énergie pour. Je peux comprendre que c'est dur. Je voudrais juste savoir si une ou plusieurs entités sont encore dans les lieux.
Et on fera des captures d'écran, mais je ne sais pas si ça marche avec le... Si. Après, moi, je ne sens rien du tout. C'est bizarre. Combien de minutes il reste? On est à 25. 25. Donc je recommence. Si une ou plusieurs entités sont dans les lieux, est-ce qu'elles peuvent faire un bruit, s'il vous plaît, pour montrer votre présence? Merci beaucoup et on vous dit à ce soir. Allez, on va voir pour finir la fin du jour de l'eau. On va refermer la porte. Enfin la lumière du jour. Merci à tous. Oui, petite anecdote, on va revenir ici.